L'harmonie accueillera à bras ouverts le projet d'un concert pour cet orgue. En revanche, si l'harmonie doit jouer et animer des concerts pour solliciter des mécènes ou des partenaires ou des donateurs, hein, bien sûr que je m'engage au nom du groupe, mais bien sûr qu'on aidera. On aidera ce fabuleux projet et la mairie à trouver des nouveaux partenaires. On pourra imaginer un concert dans la programmation de la saison de l'Orchestre Symphonique Pays Basque, puisque ensemble, c'est toujours plus facile d'écrire de beaux projets collaboratifs avec des associations ou des mairies qui sont vraiment engagées et qui comprennent ce que peut être un projet artistique. Donc, bien sûr, je me réjouis d'avance. Nous avons déjà donné des concerts avec le chœur de l'orchestre et quelques musiciens, des concerts dans l'église de Cambo. Tout est à construire, donc c'est assez c'est excitant, mais il faut prendre le temps de bien réfléchir aux actions. En tant que concertiste, trompettiste, je me ferai une joie de venir jouer et animer sous forme de concert ce beau projet. Ça parle aux gens, trompette et orgue, c'est dans le cœur des gens. Si on est même dans le cliché avec l'Ave Maria de Schubert ou de Gounod, tout le monde a entendu ça une fois dans sa vie ou se l'explique. Voilà, l'émotion qu'on a à entendre une trompette dans une église, bon, je le dis, évidemment, c'est c'est ma passion, c'est mon instrument, mais bien entendu, je le défends.